Engagement pour la citoyenneté et le développement des idées à la Congo des Anatomes. Mesdames et messieurs, très chers camarades de l'ESID, distingués invités, au nom de l'engagement pour la citoyenneté et le développement de notre parti et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à Kisangani. Ville mythique, ici en province de la Tchopo, où nous avons décidé d'organiser notre deuxième congrès ordinaire. Cette ville martyre, faut-il le rappeler, a été le théâtre de succession d'affrontements meurtriers entre l'armée ougandaise et rwandaise du lundi 5 au samedi 10 juin 2000, durant la deuxième guerre du Congo. Ces affrontements ont causé environ 1000 morts et au moins 3000 blessés, dont la majorité au sein de la population civile. Cette tragédie, nommée guerre des six jours, car la population boyomaise en a souffert pendant six jours. Nous avons le devoir, avant toute chose, en mémoire des victimes de cette guerre, en mémoire des nombreuses victimes, nos concitoyens qui meurent chaque jour du fait de l'agression contre notre pays par le Rwanda, l'Ouganda et leurs affidés, qui durent depuis 26 ans, ainsi qu'en mémoire de toutes les victimes de l'insécurité généralisée qui règne sur toute l'étendue de la République. Je vous invite donc à vous lever pour observer une minute de silence. Je dis un grand merci à la population de Kisangani qui nous a réservé un accueil grandiose et chaleureux et qui a participé massivement au meeting populaire que nous avons tenu à la place de la Poste le samedi dernier. Je vous invite à applaudir cette population de Kisangani. Très chers congressistes, vous êtes venus des quatre coins de notre pays pour prendre part à cet événement qui, conformément à nos statuts, intervient ordinairement tous les cinq ans. Pour faire le point sur la vie de notre parti et décider ensemble de notre avenir commun, de celui de nos enfants et de celui de notre pays. Notre très sincère remerciement à vous tous d'avoir bien voulu répondre présent à ces assises. Nos remerciements s'adressent également à toutes et à tous ces nombreux membres de notre parti et à tous nos sympathisants de l'intérieur du pays et de la diaspora qui n'ont pas pu faire le déplacement de Kisangani pour diverses raisons, mais qui, par leurs contributions substantielles, ont rendu possible l'organisation de ces travaux. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance. Nous n'oublions pas
les contributeurs qui ont soutenu financièrement et matériellement l'organisation de ces assises, qui trouvent ici l'expression de notre gratitude. J'invite l'assistance à les applaudir. Nous devons surtout remercier Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de nous avoir protégés et soutenus tout au long de ces 7 dernières années, depuis les derniers congrès ordinaires tenus à Kinshasa en décembre 2015, et de nous avoir donné la force ainsi que l'énergie nécessaire pour nous consacrer à la tâche exaltante de la recherche de la paix et du bien-être de notre peuple. Ces voyages extraordinaires, nous l'avons fait ensemble, mais beaucoup de nos camarades ont été arrachés à notre affection par la barbarie et l'intolérance des régimes répressifs qui se sont succédés à la tête de notre pays ces dernières années. Nous vous invitons, s'il vous plaît, une fois de plus, à vous mettre debout pour rendre également hommage à ces victimes en observant une minute de silence. Merci. Très chers camarades de l'ECID, chers congressistes, distingués invités, à l'issue de notre premier congrès de décembre 2015, nous avions au total pris 18 résolutions parmi lesquelles celle recommandant au président du parti que je suis d'entreprendre une tournée à travers toutes les provinces de la République en vue de redynamiser les activités du parti à la base et de partager la vision de notre parti. En exécution de cette recommandation du Congrès, nous avons pris notre bâton de pèlerin dès le mois de février 2016 pour porter votre message auprès de nos populations. Mais c'était sans compter avec la détermination farouche du régime à créer des obstacles pour nous empêcher de circuler librement dans notre propre pays et de nous exprimer. L'histoire retiendra combien dans les villes de Nioki, Bandunduville, Misai, Bagata, Fatundu, Kananga, Goma, pour ne citer que celles-là, nous avions été traqués, menacés, brutalisés et brimés. Ces tentatives désespérées de nous faire taire et de nous décourager n'ont entamé en rien notre détermination à aller de l'avant dans la mission que vous nous avez conviés. Très chers camarades, distingués invités, le travail que nous avons abattu ces dernières années, au prix des sacrifices énormes, a abouti en 2008, lorsque le peuple congolais, dans sa grande majorité, nous a élus président de la République lors du scrutin présidentiel du 30 décembre 2018. La construction de ces résultats est le fruit d'un travail d'équipe commencé au niveau du parti et poursuivi au niveau des différents regroupements
auquel notre parti a adhéré. Cette équipe soudée et constituée de personnes engagées, membres et non membres du parti, ont consenti d'énormes sacrifices pour notre combat. Ces personnes sont aussi bien dans la ville de Kinshasa, dans toutes les provinces du pays, ainsi que dans la diaspora, qu'elles trouvent ici l'expression de notre très sincère remerciement. Contrairement à la volonté de notre peuple, les ennemis de la démocratie et de l'état de droit ont confisqué notre victoire au profit des imposteurs et autres receleurs. Nous disons ici et maintenant que 2023 arrive. Le peuple congolais, qui a déjà tout compris, ne se laissera plus faire une deuxième fois. Comme l'a dit un proverbe de chez nous, même dans la poche de l'ignorant, on n'y met pas la main deux fois. Cette fois, quoi qu'il advienne, nous allons récupérer notre victoire. La souveraineté n'est pas un concept abstrait inscrit théoriquement dans la Constitution. C'est une réalité que le peuple se doit de s'en approprier, de la défendre et de la démontrer par des actions concrètes sur le terrain. Chers camarades, à travers vous, je m'adresse au peuple congolais qui m'écoute en ce moment. Voici le mot d'ordre. Si d'aventure quelqu'un ose encore voler ta victoire en 2023, tu n'auras pas d'autre choix que celui de descendre dans la rue pour la réclamer et la récupérer comme d'autres peuples souverains l'ont fait. Voici le mot d'ordre. Si d'aventure quelqu'un ose encore voler ta victoire en 2023, tu n'auras pas d'autre choix que celui de descendre dans la rue pour la réclamer et la récupérer comme d'autres peuples souverains l'ont fait. Très chers camarades de l'SID, distingués invités, notre victoire, nous la récupérerons par notre engagement, notre détermination et nos actions sur terrain. Il nous faut pour cela travailler et travailler très dur. Nous devons nous doter d'un moral d'acier pour faire face aux épreuves qui jonchent notre parcours. Nous devons être unis et organisés pour affronter les ennemis de notre peuple qui n'ont pas désarmé. Les temps que nous vivons sont extrêmement graves. Au regard de l'évolution récente de la situation de notre pays, nous devons nous inquiéter car notre pays va à la dérive et il y a péril en la demeure. Ce deuxième congrès ordinaire de notre parti intervient à un moment plus que critique de l'histoire de notre pays. En effet, nous vivons une période caractérisée par une insécurité généralisée dans le pays, une misère profonde de notre peuple et une instabilité institutionnelle criante face auxquelles les gouvernants, de fait, ne proposent que la mégestion,
les détournements des fonds, la corruption, l'achat des consciences, l'impunité, la jouissance et l'irresponsabilité, voire la compromission. Entre-temps, des graves menaces pèsent sur l'intégrité de notre territoire et d'immenses inquiétudes sur la gestion du processus électoral. Ces processus souffrent du manque d'indépendance, de neutralité et d'impartialité des organes chargés de sa mise en œuvre, notamment la Cour constitutionnelle, les conseils d'État et la CENI, dont les animateurs ont été mis en place en violation de la Constitution, des lois de la République et du principe du consensus des partis. Tout ceci en vue de programmer la fraude généralisée en faveur de ceux qui n'ont jamais gagné dans les urnes. Très chers camarades, très chers congressistes, distingués invités, voilà pourquoi le thème de notre deuxième congrès ordinaire est Congo Ekolo Moko. Congo Ekolo Moko. Congo Ekolo Bo. Congo Ekolo Bo. Congo Ekolo Bo. Congo Ekolo Moko pour souligner l'importance du combat qui nous attend, celui de défendre notre pays contre sa balkanisation et appuyer sur le champignon de la cohésion nationale qu'il nous faut à tout prix préserver. Ceci passe par les élections libres, crédibles, impartiales et apaisées. C'est la condition sine qua non pour doter notre pays d'un leadership responsable et redevable à notre peuple et à même de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que pour faire face à la cohésion nationale. Seul un tel leadership peut efficacement mobiliser notre peuple face aux agresseurs et répondre à ses aspirations profondes de sécurité, de paix, de justice et de bien-être. Ces cris de cœur, Congo Ekolo Moko, qui va constituer le leitmotiv de nos travaux, doit être entendu dans tous les coins de la République à travers les résolutions qui sortiront de ces assises. Nous devons faire une évaluation exhaustive et sans complaisance de la situation générale de notre pays. Nous devons aussi redynamiser l'organisation et le fonctionnement de notre parti. Nous devons pour ce faire concevoir de nouvelles stratégies, renforcer nos capacités en vue d'améliorer notre agir collectif. Nous encourageons donc les congressistes à réfléchir en profondeur et à dégager des orientations et résolutions qui serviront de guide et de boussole à nos actions futures en vue de gagner les élections et exercer le pouvoir en République démocratique du Congo. Mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, chers camarades membres du parti, les élections présidentielles et législatives de 2023 doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Qu'il soit bien entendu que nous n'accepterons ni glissement ni fraude. Nous continuerons à exiger des élections crédibles, impartiales et apaisées,
nous sommes toujours pour un consensus entre toutes les parties prenantes afin que tous les dispositifs institutionnels relatifs à l'organisation des élections et à la proclamation des résultats soient impartiaux et conformes à la vérité des urnes. C'est pour cela, dans notre proposition de révision de la loi électorale, nous soutenons la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ainsi, notre peuple sera informé en temps réel des résultats conformément à leur vote. Nous appelons le peuple congolais à se mobiliser pour s'enrôler massivement et à voter utile et protéger et défendre l'intégrité de son vote. Quant à nous, nous allons étoffer notre programme de gouvernement et expliquer à notre peuple comment nous allons reconstruire et bâtir un Congo libre, digne, fort et prospère. Le nouveau Congo que nous allons bâtir sera un véritable état de droit, avec une armée républicaine puissante et dissuasive, une justice équitable, une république assise sur des valeurs morales, dont la tolérance zéro corruption. La priorité à l'éradication de la pauvreté, à la restauration de l'efficacité de l'autorité de l'État, au désenclavement et à la connectivité du territoire par le développement des infrastructures, des transports et des communications, à la croissance et à la diversification de la production ainsi qu'à la création des emplois. Ce congrès doit nous permettre de faire de l'ESIDE, notre parti, une véritable machine de guerre pour gagner les prochaines compétitions électorales. À tous les niveaux, niveau présidentiel, niveau législatif national, niveau législatif provincial et au niveau des gouverneurs. Oui, la tâche est ardue, mais exaltante. C'est pourquoi nous disons en cœur, avec SID, pour la dignité du peuple congolais, avec SID, pour un Congo fort et prospère, avec SID, c'est encore possible, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible de changer des paradigmes, de retrouver notre dignité perdue. C'est encore possible de bâtir un Congo digne, fort et prospère. C'est pourquoi soyons fiers d'être avant-gardistes. Continuons à vaincre la peur. Soyons fiers de la lutte que nous menons pour la mobilisation de notre peuple en vue d'un changement qualitatif dans notre pays. Le meilleur est devant nous. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du deuxième congrès ordinaire de l'ESID. Je vous remercie.